Coldplay, le dernier Coldplay à l'instant, c'était We Pray sur Radioscope. Regardez qui m'a rejoint. Enfin, vous voyez pas, c'est de la radio, mais il est là. Philippe Lapierre est à mes côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Eric et bonjour à tous. La Terre, la Pierre et vous. Alors, je l'accueille avec le sourire, puis finalement, il arrive avec ses gros sabots pour une mauvaise nouvelle. C'est quoi ce délire, Philippe? On va devoir payer plus cher nos assurances à cause du dérèglement climatique. Eh oui, Eric, c'est réel. Hein. Vous avez vu ces inondations qu'on vient d'avoir dans la région. Et la ministre de la Transition écologique a été très claire. C'est donc un épisode inédit par son ampleur et qui est sans doute une expression du dérèglement climatique. On le voit, ces épisodes, ils vont être appelés à se répéter. Et donc, il faut que collectivement, on ajuste notre niveau de jeu. Voilà, Agnès Pannier-Runacher l'a dit, hein, ces intempéries, ces inondations sont directement liées au dérèglement climatique. C'est comme les sécheresses ou les canicules. Ça veut dire qu'il va y en avoir de plus en plus souvent et ce sera de plus en plus violent. Et du coup, il faut bien qu'on se serre les coudes. Il faut que la solidarité soit à la hauteur pour aider les sinistrés. Ouais, donc on va payer plus cher nos assurances. Exactement. Voilà. Quand vous payez votre assurance habitation, vous alimentez un fonds spécial pour les catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, ce fonds, il est complètement à sec. Il va bien falloir le remplir. Écoutez les explications de Stéphanie Durafour, porte-parole du comparateur Assureland.com. Au 1er janvier 2025, donc ça c'est une décision du gouvernement qui a déjà été actée, tous les assurés vont voir leur contrat d'assurance habitation augmenter, puisque ce petit prélèvement de 12% qu'on avait jusqu'à présent, il va augmenter à 20%. Donc mécaniquement, votre contrat d'assurance va vous coûter plus cher. On considère qu'en moyenne, ça va représenter 20 euros de plus par an et par contrat. Voilà, plus que jamais, il faut donc insister sur la prévention du risque lié au climat. Voilà, tout faire pour lutter contre ce dérèglement climatique. Parce qu'anticiper et prévenir, c'est moins cher que réparer. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois vous remercier, mais merci beaucoup Philippe. Je vais aller voir le patron pour demander une augmente. Et puis voilà, ça va être vite vu l'affaire. Merci Philippe, on se retrouve jeudi prochain. À plus, salut. La Terre, la Pierre et vous en replay dès maintenant sur notre site radioscope.com. À venir, Tom Grennan avec Ailleurs dans les prochaines minutes.